Lucien Lévy-Durmer a quitté Alger depuis plus de 15 ans quand il retourne en Afrique du Nord en 1901. Il a jusqu'alors privilégié le pastel dont le diffus et le sfumato conviennent bien à son esthétique symboliste, imprégnée de mysticisme. Au Maghreb, Lévy-Durmer espère trouver de nouveaux thèmes. La fileuse montre toute l'attention qu'il porte désormais à la réalité ethnologique. Boucles démesurées, chaînettes attachées à la chevelure, mouches au aînés sur le menton, tous ces éléments sont autant de signes d'une appartenance à la communauté berbère et révèlent un statut de veuve. Lévy-Durmer choisit également d'inscrire la haute silhouette de son personnage dans un paysage, devant la ville blanche qui borde l'amphithéâtre antique d'El Djem. Le rapport d'échelle avec le personnage et la stylisation des formes s'explique par la fonction symbolique de l'arrière-plan. Pour Lévy-Durmer, qui aborde la vie moderne et ne veut pas s'en faire le chantre, la fileuse manifeste dans le présent la permanence du passé le plus archaïque. Absorbée dans la réalisation d'une tâche solennelle, elle est une créature syncrétique, avatar de la parque antique.